Pourquoi t'as quitté maman? Soi-disant, j'étais trop parfait et que c'était bizarre. Parfaitement con, oui. Quand elle a vu ta tronche, elle a cru que j'étais atteint d'une maladie grave et elle m'a abandonné. Parce que maladie, c'est d'être complètement con. Elle a pas apprécié que je fasse toutes les tâches. C'est bizarre qu'elle t'ait quitté pour ça. Ah oui, c'est bizarre. Je faisais toutes les tâches que je pouvais pour elle. Des tâches sur les murs, des tâches sur mes t-shirts, des tâches sur mes slips. Soi-disant, je l'ai trompé 5 fois. Moi, j'avais compté 4. Soi-disant, j'étais bizarre et loin d'être parfait. Sur mes slips. Soi-disant, j'avais un problème avec l'alcool. Je pouvais arrêter quand je voulais. Mais elle m'a pas dit clairement « arrête l'alcool ». Elle m'a dit que j'avais un problème avec l'alcool. J'ai pris ça comme une simple information. Soi-disant, je l'écoutais pas. Je lui prêtais pas attention. C'est ce que je ressens aussi parfois. T'as dit quelque chose? Elle arrêtait pas de me dire hey, gna, 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 tu m'écoutes pas, t'es immature, t'es un enfant, t'es ingérable. Soi-disant, je bouge pas mon cul depuis 10 ans. Tiens, va me chercher de la bière, s'il te plaît. Soi-disant, j'étais un gros ringard. Elle est vide. Elle me trouvait lourd aussi.